Kaka, hey, the panishoko yo. Apa tu kote nani nafikia sema? Apa tu fike tu kuri? Kuta kwa tu na yone ya tu na viti. Apa le mavre information? Rende tu? Sa, ingati. Kote tia na? Eh? 10,000 francs. Oh, sini apa avu fike ku nani? Ku Vision 2020? Ndi yo. Ingati? Zima 3,000 francs. Apa? Apa na tuene? Kwa saa vio e kuali. Awishi angakani. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, nous sommes au nord de la ville de Goma, précisément au quartier Majengo. Certainement, vous l'aviez déjà appris, c'est l'éruption du volcan Nyiragongo qui s'est réveillé de son foyer depuis ce soir. C'était à partir de 18h de Goma. Et ce soir, nous tentons vous transmettre vers ces directs sur Congo Synthèse pour essayer un peu de faire comprendre ce qui se passe. Et comme vous voyez les habitants de Goma qui se déplacent déjà, donc les habitants qui quittent vers leur domicile, ils se dirigent vers les milieux jugés un peu stables. Mais pour l'instant, on ne peut pas en tout cas confirmer ou dire qu'il y a un lieu qui est stable. Comme vous voyez, je suis en moto avec un conducteur. Nous tentons un peu de vous transmettre ces directs depuis la ville de Goma pour vous faire comprendre ce qui se passe. Mais comme ça ne sera pas en tout cas possible, vous savez, il s'agit du volcan, de vous montrer en tout cas ce qui se passe. Mais comme nous allons tenter si on peut arriver à quelques mètres, comme il y a les gens qui sont là, qui prennent les images. Et du coup, on s'est dit quoi, comme Congo Synthèse a toute une équipe forte,
qui mobilisé pour vous transmettre à tout moment toutes les actualités qui se passent partout en République démocratique du Congo. Et ce soir, vous comprenez que le Congo Synthèse, c'est le seul média qui est là pour vous transmettre ce qui se passe depuis ce soir à l'est de la République démocratique du Congo. Mais comme vous avez constaté déjà, dans cette partie-là, vous avez, il y a la pluie qui va déjà. Parce que c'est compliqué et comme vous pouvez le constater devant moi, les flammes qui est là, c'est les volcans du Congo, vous voyez. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais comprenez, on se mobilise pour vous faire comprendre ce qui se passe. Il y a la pluie qui dérange, on est en tout cas mouillé. Et vous voyez là, ce sont les habitants de Goma qui fuient. Certainement vous avez déjà vu. Alors, je vais essayer un peu de zoomer. Est-ce que c'est possible avec la pluie? Mais vous voyez des gens, les lots de la route, la population regarde. Devant moi, vous voyez en tout cas du feu. Ce n'est pas un feu habituel, il s'agit du volcan Nyiragongo qui est sorti des feuilles. Il faut préciser que ce soir, il y a plusieurs dégâts matériels causés par ces volcans. Mais comme vous avez suivi, toujours si Congo Synthèse, la communication du gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Ndima, qui a en tout cas appelé la population au calme et de chercher comment en tout cas se sauver parce qu'il s'agit du volcan. Ça peut déborder à tout moment, comme vous le voyez. Nous sommes dans un lieu communément appelé Vision 2020. C'est là nous venons déjà de quitter Goma. Nous venons de quitter déjà la ville de Goma pour le territoire de Nyiragongo. Nous sommes acquis ici dans un lieu communément appelé Vision 2020. En tout cas, on est là. Mais pour ceux qui, il faut démentir toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. On est vers une heure passée, mais il y a certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état que les volcans seraient déjà, auraient atteint l'aéroport de Goma. Ça, c'est faux. Et là, je vous appelle qu'on est au-dessus de l'aéroport international de Goma. Tout est calme. On est là, comme vous pouvez le constater de l'autre côté. Jusque là, l'aéroport n'a pas encore atteint son, n'a pas été en tout cas touché. On est là avec mon taximène, les motards qui me transportent. Voilà, on est là, mesdames et messieurs, comme vous le constatez. Motard. En tout cas, c'est à quelques mètres de l'aéroport de Goma. Alors, on ne sait pas, on va tenter de. On avance de l'autre côté, c'est quoi? Apanjo, c'est bon. Alors, je vais essayer un peu de libérer mon taximène. Comprenez comment les. Hein? Alors. Motri Kowapi. Wapi coule. Si je peux de France à couler. Alors, franc d'assassin. Après, c'est suffisant en gâte. 3000 francs. Deux seigneurs, c'est ma mère qui prend deux seigneurs pour pas chalir. Tu as une émotion de fiche. Tu as une pensée à ta chindon. Aïe, qu'on vient de nous voir. Ah, non, tu es chindon. Bon, tu es suffisant à quoi pas à 3000. Une fiche tout parler. Nous avons une guinée 2000. Parle que nous on est tout. Alors,
Comprenez, j'ai discuté avec mon taximan parce que ce n'est pas facile ce soir de trouver un taxi. Alors, vous le constatez en tout cas, ce n'est pas facile. Les gens sont les lots de la route. Certes, vous pouvez avoir peur de nous qui transmettons ces directs depuis Goma. Mais on est en tout cas prudent. On est prudent, on sait que c'est pas facile. C'est pas facile, mesdames et messieurs. Comprenez que la situation est vraiment confuse. Les militaires qui passent, une jupe militaire. Et je crois que ces militaires qui passent tentent un peu de faire la sécurité parce que dans de tels moments, il y a souvent des bandits, des voleurs qui tentent de s'apprendre ou bien voler les biens des paisibles citoyens. Alors, on avance un peu. Mon taximan qui m'a rassuré, regarde de l'autre côté, qui m'a rassuré qu'à quelques mètres, on peut, ça peut être possible un peu de zoomer. Voilà, est-ce qu'ici ça sera possible? Bon, alors, ici, on est là. Je crois ici, c'est bon. Bueno, yo te mando.